Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle rencontre sur FC24 pour continuer notre saison en Ligue 1 avec un match entre Lyon et Toulouse, donc un match à domicile dans notre beau Groupama Stadium pour essayer de remporter 3 points de plus, ça reste toujours l'objectif à chaque fois, vous le savez. On est parti tout de suite, jusque là on est plutôt pas mal et on est en train de sérieusement durcir la concurrence. On a pas mal progressé également dans notre jeu et dans la maîtrise du gameplay, c'était vraiment l'objectif, mais à force de faire des matchs, forcément tu finis par t'habituer. On retrouve tout de suite le cher championnat de France avec cet intéressant duel en Ligue 1. Évidemment, quand on aime le foot, on ne peut pas passer à côté de ce champ. La grosse opportunité, attention. Ça fait 1-0 déjà. Oui, pour conclure, Victor Osimhen. Intuition, spontanéité, opportunisme, efficacité. Victor Osimhen, c'est le football. Son maillot ne dort jamais. C'est récupéré par l'adversaire. Attention. Et oui, but. Encore un nouveau but pour assommer complètement l'adversaire. La victoire se profile et elle est belle. Le ballon est toujours dans ses pieds. Le ballon est perdu, une seule intervention. Marcus Rashford. C'est pour le gardien, malgré la pression. L'action se construit dans le camp adverse. Ouais, l'intervention vitale. Ah, le forcing pour récupérer le ballon. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Christian Eriksen reçoit le ballon. Ouais, c'est une bonne défense avec cette interception. Begraoui. Oui, sans commettre de faute. Bien joué dans toute la défense. Bien servi la Victor Osimhen. Le ballon frappe le montant, ça revient. Ça n'ira pas plus loin. Wow. Peut-être un mouvement offensif, la Polo-L. C'est un peu lent maintenant, là. Finalement, c'est perdu. Et pourquoi pas un tir ? Pour maîtriser la vitesse. 3-0. Continue, nouveau but, et ça fait plus 3 au tableau d'affichage. L'engagement qui vient d'être donné, et le but qui a donné un troisième but d'avance au tableau d'affichage. Une bonne opportunité. Ouais, ça fait 4. Continue, incroyable performance offensive et maintenant ça fait 4 buts d'écart. La relance est complètement asphyxiée par la pression et ça donne ensuite un bon ballon. Et voilà le. On va reprendre. Et c'est parti dans le match. Très largement au-dessus de cette équipe, hein, parce que c'est évident. À sous pression, mais excellente couverture. Avec ce ballon direct sur le montant, ballon toujours en jeu. Ah non, ça s'arrête là. Le ballon change de pied. Du soutien là pour attaquer. Attention, la victoire Osimhen.
Oui, il a défendu. Oui, le tir. Et le ballon s'écrase sur l'extérieur du poteau. Quelle frappasse! Quelle puissance! Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Encore un bug d'affichage avec undefined. C'est pas vraiment perdu. Ballon pour Marcus Rashford. Voilà, il va passer au Osimhen. Goal! Il y a un but dans ce match hallucinant. C'est plus une défaite, c'est une déroute. Et voilà un match complètement déséquilibré. 5 buts par. Et ça passe par Lewandowski. Passe un peu moche. Hein. Récupéré dans le camp adverse. C'est vers Rashford. Et boum, bonne intervention là pour dégager le ballon. Il y a un gros pressing. Ah, le ballon change de propriétaire. Christian Eriksen, pour le ballon. Ballon contré, mais ça revient. Et ça joue sur Memphis. Araujo. Et ça joue avec Robert Lewandowski. Ah, le stade réclame une frappe. Ah bah voilà. Bah suffisait de la réclamer. Je fais ce que je peux, hein. Sinon descendez sur le stade et faites votre frappe. De râler. Et avec ce nouveau but, c'est 6-0 score sans la. Allez, hop. Allez, ballon pour une frappe. Allez, le gardien intervient tout en sobriété. Pas grave, c'était bien de. Allons vers la surface. La défense a le ballon, mais ce n'est pas totalement terminé. Victor Osimhen. Allez. Oh, et la parade. L'art et la création, de l'enthousiasme, de la beauté, c'est ça le football. Vive le football! Une minute d'arrêt de jeu. C'est terminé, on en reste là. Fin de la rencontre, 6-0. Très large victoire et 3 points facilement remportés. Ça, c'est la meilleure des nouvelles. Et il reste que 2 matchs pour finir la première moitié de la saison. Face à Monaco, puis face à Nantes. Donc d'abord, c'est Monaco et à l'extérieur. Donc ça va être un match beaucoup plus compliqué. Tant mieux, s'il nous faut du défi. Voilà, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. On se retrouve la prochaine fois pour notre prochain match dans cette compétition. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.